Ryan menace de s'en prendre à Raphaël si Patrick ne tue pas Kenji. Qui n'est autre que le père de Raphaël, Patrick est obligé d'avouer à Manon qu'il n'a pas tué Kenji. Babette est soulagée. Patrick demande à Manon de lui en dire plus sur le père de son enfant, Kenji. Manon raconte à Patrick que Ryan avait enfermé Kenji dans une cave et qu'il était dans un sale état. Comme Manon n'en pouvait plus de toute cette violence, elle a libéré et accueilli Kenji chez elle. Elle s'est occupée de lui et l'a soigné. Un jour, ils se sont embrassés et ont couché ensemble. Patrick est appelé au commissariat. Anao l'a balancé pour le go fast. Patrick nie tout en bloc mais tout joue contre lui. Au squat de Ryan, Patrick et Bauer prennent Ryan en flagrant délit avec la drogue du go fast. Il l'arrête mais Ryan balance Patrick qui va devoir assumer les conséquences de ses actes. Pendant ce temps-là, Manon retrouve Kenji et lui présente son fils. Il est ému et Manon se sent plus forte avec le père de Raphaël à ses côtés. Elle réussit à l'entretien avec Madame Lafarge de Laz et va donc récupérer Rémi. Babette est envahie par l'émotion. De son côté, Rocha est plus isolé que jamais. Il ne va plus travailler. Malika le drogue et il reste au lit. Elle prétexte qu'il est malade. Touché par un virus dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et Malika se charge de faire venir de nouveaux colocs, Vidal et Emily. Elle fait partir Nathan et Sabrina et en profite pour augmenter les loyers. Quant à Théo, il fait n'importe quoi et entraîne Noé avec lui. Il lui offre un scooter et l'emmène en boîte de nuit. Au réveil, Patrick et Babette s'aperçoivent que Raphaël n'est plus là. L'angoisse monte et l'hypothèse de l'enlèvement devient de plus en plus probable. Ils pensent automatiquement à Manon. Patrick va remuer ciel et terre pour retrouver son fils. Ryan et Anao sont chez Manon. Elle a déserté son appartement avec le fric. Ryan se venge et met l'appart sens dessus dessous. Patrick arrive avec Eric devant l'immeuble de Manon et croise Ryan. C'est le jour du Pax. Rocha commence à stresser alors Sabrina le rassure. Rocha et Malika sont des âmes sœurs. Malika arrive en retard à la mairie mais Léa parvient à célébrer leur union. La petite bande arrive à la coloc pour célébrer ce Pax. Pendant la fête, Nathan surprend Malika faire quelque chose d'étrange. Elsa contacte Karim pour une banalité. Il faut fermer leur compte bancaire commun. Ophélie convainc Karim de revoir Elsa afin qu'elle réponde à ses questions.